J'ai tout simplement économisé. Ok. Donc là, si je retourne là et que je regarde maintenant. Ouais, c'est l'entrepôt maintenant qui coûte. Mais il coûte un peu moins cher. Ensuite, j'ai la raffinerie de pétrole. On va pas faire des économies de bout de chandelle là-dessus. Du oil, là ça devient vraiment urgent. Par contre, le pétrole, faut vraiment que j'améliore. Ça commence vraiment à chuter là. Ça commence vraiment à chuter. Ouais, le bois est repassé au-dessus du silicium, mais ça c'est temporaire. Remarque le silicium. Ouais, ça va, j'ai 4K. Bon, le bois, j'ai 12K, donc ce serait plus logique de vendre du bois, mais. Mais pourquoi j'ai. Attendez. Mais non, mais pas du tout. Attendez. Pourquoi il veut. Non, non. Stock le charbon. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, il envoyait le pétrole là-bas dans l'entrepôt. Ça a pas de sens. Mais oui, ça a pas de sens, ça. Enfin. Du coup. Du coup, je consomme encore moins de carburant. Mais. Bon, pas de ouf, mais. C'est toujours ça, quoi. Là, le problème, c'est quand mon pétrole va tomber en dessous là. Ça là, je vais avoir un gros souci là. Là, je vais vraiment avoir un gros problème. Là c'est la cata. Là c'est la cata, mon oil il est en train de fondre. Je manquais de carburant. Sauf si. En gaz naturel, je suis à combien?
Comment je peux me sortir de ce merdier? Ça y est, ouf, alors plus 6, hein. C'est pas ouf, mais on y arrive, on y arrive, on y arrive. Oh là 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 là. J'ai juste recréé un puits supplémentaire et je suis juste au-dessus. Bon, ok, ça c'est un problème résolu. Lui, il lui faudrait un méga pour encore s'améliorer. Ça reste compétitif, hein, le charbon. Ouais. Oula, le bois, par contre, ça a bien augmenté. Si on en oublie, on prend le bois. On vend du bois. Et résultat, le bois, idéalement. Juste attendre un tout petit peu. Et on est bon. Le gaz, on a quelques soucis de. On a une grosse chute de gaz. J'espère que ça va aller. J'améliore ça. Je peux l'améliorer là dans quelques secondes. C'est pas trop un souci. Niveau énergie, je suis bon. Il y a vraiment que le gaz là pour le moment qui pose un peu de soucis. Après, en autre ressource, il y a le fer que je n'ai toujours pas exploité aussi. Le fer, ça serait peut-être pas con. Je peux faire. Je peux le créer. Bon, résultat, ça retarde l'amélioration de mon gaz, mais bon, voilà. On va compter un peu sur le stock pour le moment, hein. On va compter un peu là-dessus. De toute façon, j'en exporte pas du gaz. Voilà. Le fer. Ouais, le fer, de toute façon, ça vaut pas vraiment le coup. Après, il y a les chaussures. Ouais, même les chaussures, c'est pas ouf. Pour le moment, voilà, c'est vraiment le charbon, le bois, l'aluminium qui sont le plus avantageux. J'ai encore envie d'améliorer, on va encore améliorer un petit peu la vente automatique. Voilà. Bon. On est à 8K,3 par seconde pour l'augmentation du pognon. On n'est pas trop trop mal, quoi.
Alors, le fer, je regarde un petit peu, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La centrale électrique à gaz, donc c'était ça, ok. La centrale électrique à pétrole, le problème, c'est qu'elle consomme du pétrole raffiné. Il peut mieux faire, quoi. Peut mieux faire, clairement, quoi. Il y aura l'usine à chaussures. Bon, dans les améliorations, est-ce qu'il y a quelque chose qui est débloqué? Ou débloquable? Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il me faut ici? Il me faut de la réserve de charbon. C'est pour la centrale électrique à charbon. Ah, l'usine de propergol. Il me faut du pétrole raffiné. Donc ça, c'est en augmentation. Bon, ça peut aller. Ça va. Ça va. J'avais pas vu ça. Attendez. Hop. Détruis-moi ce bâtiment. Et améliore-moi celui-là. En vrai, ouais, on peut faire ça. Je suis en train de réfléchir. Hein. Hop. Juste attendre un tout petit peu. Bon, on n'a pas gagné de ouf, mais je trouve ça plus cohérent. Je trouve ça plus cohérent. En fait, que voilà, qu'on utilise ces trois. Voire même là ici, on peut en rajouter encore une. Pour pouvoir. Voilà quoi. C'est histoire que ça alimente plus, quoi. Parce que là. C'est un enfer. Ah, on perd que 10 par seconde hein, de gaz. Hein. On n'est pas. On n'est pas loin, on n'est pas loin. L'aluminium, je suis à plus zéro. Le bois aussi. Donc niveau exportation, je suis pas dingue quoi. Le silicium est repassé devant le bois, largement. Hop. Plastique, j'avais pas vu. Je peux vendre 104 plastiques à des joueurs. Allez, hop, on va faire ça. On va vendre du plastique. J'ai 100K, hein, j'ai dit, hein. Vas-y, on va vendre. Ouais, c'est encore. Quoi, un cas? Ben,
ce cas, je veux dire 9K, on va dire, allez. Non. Pourquoi il me dit ça? C'est pas cohérent. J'ai 170K sur moi. Donc si j'en vends 100K, admettons. Il me reste 77K, enfin 78K maintenant. Ah bien d'accord, c'est le plastique ça. À 34. On va le mettre à 40. Voilà, ça me fait 4M. Allez, hop, quoi. Le prix, hein, doit être compris entre... Quoi? 77,1. Bon, bah, si tu veux, bah, on va mettre à 78, c'est pas un souci, ça. Alors, résultat, j'ai pas vu, qu'est-ce qu'il dit? Cet échange a dépassé votre quota. Entre 1 et 182K, qu'est-ce que tu me racontes? Bon. On va en vendre que 50 000. Mille, non. Neuf mille, non. 8 000. Non plus. Sept mille 500. On est bon. Allez, hop. Bon, ça fait 500K. Ouais, c'est pas dingue, mais bon. Ouais, d'accord, ok. En fait, j'ai une quantité d'échange qui augmente avec le temps. 1% de votre plafond du marché. Il est réinitialisé lors des mises à jour du marché. Ok, admettons. Je regarde un petit peu. Bah, c'est bon là le gaz. Ouais, alors c'est pas ouf ouf le gaz, mais c'est bon. Alors là j'ai 3 millions là. J'ai 3 millions. La question c'est qu'est-ce que j'améliore? Alors j'étais parti sur le fer tout à l'heure. Mais en vrai, voilà, c'est juste histoire d'en avoir, quoi. Mais ouais, on va l'améliorer, on va le passer niveau 2, histoire 2. Après, tac, 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 il y avait ça. Hop. Les chaussures. Chaussures. Là, ça m'embête un peu, mais on va le mettre là. On va le mettre là. Allez, usine de chaussures. Hop, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour lui? J'ai même pas regardé ce qu'il fallait en entrée pour les chaussures. Faut du plastique, visiblement. En entrée, c'est du plastique. En sortie, c'est des chaussures. Bon, voilà, hein, c'est pas bien compliqué cette histoire. Hop, voilà. Alors, quitte à faire ça, non, on va plutôt améliorer le charbon. Oh!
Adieu l'aluminium, bonjour les chaussures. Ah oui, mais j'ai une demande sur les chaussures. Oh, c'est bon, allez, hop. Yes! Qu'est-ce que j'ai là? Yes, allez. Enfin, je peux remplir des demandes. L'argent commence à arriver. Yes! On est content là. On est content, on est content. Bon, bah écoutez, donc les chaussures, je regarde. Tac, tac, tac. Vert, colle, pétrole, plastique, shoes. Plus 55. Voilà, à l'aise, tranquille. Bah écoutez, l'aluminium, hop, on va améliorer aussi. Le bois, on va améliorer aussi. J'en suis au niveau énergie, je suis toujours bon, donc voilà. Tout ce qui est pétrole, le oil. Alors le oil m'a fait une frayeur, donc j'ai envie de dire, hop, 4, et ici, je peux pas augmenter. Mais ici, je peux. Eh ben écoutez, je suis plutôt content. Plutôt content. On est à 15K par seconde de pognon qui rentre. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On est bien là. Bah écoutez, je crois que je vais jouer à ce jeu longtemps. Je pense. Alors, il est potentiellement infini en plus, hein, il n'y a pas de fin. Et bon, bah, le but c'est de s'étendre. Après, je commence à me poser la question. Éolienne, tout ça. Est-ce qu'on bazarderait pas tout ça pour tout passer au gaz? On verra bien. Niveau ici, il manque quoi? Encore un peu de pétrole raffiné et je débloque quoi? Le propergol. Le propergol, ça pourrait être sympa. Oh! J'ai la scierie qui est disponible. Donc on va partir là-dessus. La scierie. La scierie. La scierie. On a 25% ici. On va se mettre là. Ok, donc ça sort des planches. Ok. On peut déjà l'améliorer. Et question, les planches. Oh! Alors le silicium ça vaut plus le coup, les planches ça vaut le coup. 1K par seconde. Rien que. Voilà. C'est 1K les 10 planches. On vient de passer à 35K par seconde. On est bien là. On est très bien. On est très très bien. Tiens, regarde. Hop, niveau 3. Allez, ça fait plaisir, c'est pour moi. Et niveau bois. Par contre, niveau bois, résultat, faudrait que j'augmente encore d'un. Parce que là, ça commence à devenir un peu serré, résultat. Ok, il va me falloir un deuxième camp de bûcheron. Hop, c'est pas un souci. Si, c'est un souci. Voilà, hop. Je suis toujours à moins 25. Je suis à moins 15. Et le pétrole commence à faire défaut. Va falloir que j'améliore ma raffinerie.
voire même que j'en construise une seconde. Ce qui veut dire que ça va consommer du oil en plus. C'est le début des emmerdes! Alors, mon bois, wood, moins 5. Hey, je suis toujours pas bon sur le bois en plus. Et c'est un drame. Et c'est un drame. Je consomme beaucoup plus de pétrole que ce que je consomme. Est-ce que je peux faire des économies de pétrole? Pour le moment, on va passer un petit peu au gaz naturel pour le moment. Juste histoire de sauver un petit peu les meubles. La raffinerie, il me faut combien? Oh mais je peux l'améliorer de ouf la raffinerie. Oui, ouf. Ouais bon, pas à ce point-là non plus, mais voilà. On a c'est bon. On va. Hop. Allez. Repasse-moi sur le pétrole. Là on est bon, et pour le oil par contre là voilà, là maintenant c'est à ce niveau-là que c'est un enfer. Il va me falloir beaucoup plus de pétrole. Beaucoup plus de pétrole. Ah bah écoutez. Hop. Hop. On est parti, hein? Du puits de pétrole, en voilà. Hein. Je serais même me tâter à mettre une raffinerie ici. Hein. Si je mets une raffinerie de pétrole ici, hop. Ça me ferait économiser un petit peu de. On a un nouvel échange. On a un nouvel échange. Non, c'est pas ça. Tac, 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 c'est là. Hop, voilà, on remplit du pognon. Et donc là, on peut. Voilà, hein, c'est juste histoire. Voilà, comme ça, on a la raffinerie là. Et on va. Bon, on va monter tout ça de niveau. Espérant qu'on soit pas dans la mise jusqu'au cou. Là c'est vraiment les puits de pétrole, mais de l'infini quoi. Hop, allez, hop, un autre puits de pétrole ici. Ouais, lui, je peux faire x5 direct si je veux. Je regarde, hein. Je regarde, je regarde. Il est où mon oil? Mon oil, il est là-bas. Ok. Mais c'est un enfer! Mais c'est un enfer!
C'est bon, je suis à plus 4 sur le pétrole. Mais il va falloir que je continue à améliorer. Hein, parce que c'est pas... Non, ça c'est la raffinerie, ça. Tac, tac, tac. Ok. Alors, j'aurais même envie de faire un truc. Quoique, de toute façon, là. Ouais, ok, d'accord. Bon, ça c'est juste pour économiser un petit peu, c'est là où... Voilà, quand même. Hop, si je fais une amélioration de x5. Je commence à être juste niveau énergie. Est-ce que je peux améliorer? Je peux améliorer. Ma centrale. C'est pas ça que je vais faire. Je vais laisser activer celle-là, je vais désactiver celle-là. Est-ce que celle-là produit suffisamment? Très peu. Juste limite. C'est vraiment juste limite. Pour le moment, je vais faire ça. C'est vraiment pour économiser mon gaz. Et je vais. Il faut que j'améliore. Hop. J'améliore mon gaz. Oui, enfin, pour améliorer mon. Pour, enfin, pour économiser mon pétrole et améliorer mon gaz. Mais je suis vraiment limite. Je suis vraiment, vraiment limite. Bon, je peux toujours réactiver la raffinerie, mais ça va faire cramer mon gasoil en un temps record, quoi. C'est le problème. Après, j'ai encore tout un champ de oil ici. Hein. Je peux. Attendez, j'ai du gaz naturel. Ça va être compliqué, chef. Ça va être compliqué, chef. Ouais, ça va être compliqué, chef. Ici, ouais, je vends toujours les ressources les plus avantageuses. Enfin, je suis un peu con, moi, mais là, par exemple, ça. Ouais, c'est stocké sur place. Non, c'est envoyé, hein. Non. Non, non, c'est stocké sur place. Vu que c'est pas demandé, ça reste sur place. Bon, ok. Admettons. Bon, je suis revenu à du tout positif, mais... Mais voilà quoi. Alors.
Donc là, la priorité, c'est le gaz. Là, la priorité, c'est le gaz. Donc ça s'annonce, ce fois-là, mais hop, ici. Ici. Est-ce que je peux... J'ai 3 minutes pour créer 2K. C'est compliqué, chef. C'est compliqué, chef. J'en ai un autre, j'en ai un autre que je peux remplir immédiatement. Oups, allez, ça c'est fait. Allez, j'en suis où niveau gaz là? Il est au moins. Mika, c'est bon, je suis bon, je suis bon. Millions. c'est bon, on se sort de la merde, on se sort de la merde. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Ah, je vous cache pas que j'ai transpiré là. Je me suis dit, ça va être compliqué. Mais c'est bon. Là, j'en ai une qui veut passer niveau 3. Là. Ah, carrément. Alors, quitte à faire ça, autant que ce soit peut-être une plus proche. Genre celle-ci. Qui passe niveau 5. Celle-ci, on la passe niveau 3 comme les autres. J'en suis où là, niveau oil? Niveau oil plus 200. Ok, bon. Ça va. On va dire ça va. Bon. Ici. Alors, je peux faire le propergol liquide. Je peux faire les centrales électriques à charbon. Donc le propergol. Alors le propergol. En faire là. On peut en faire là. Donc ça prend du pétrole raffiné en entrée pour nous faire du propergol. Certainement que ça va, doit valoir cher ce truc. Donc si on peut pas, on coupera. Hein. Si je vois que notre pétrole se casse la gueule, voilà, comme ceci. Voilà. Compliqué, chef. Compliqué, c'est compliqué. Je galère en énergie, je galère en gasoil, je galère en tout là. Là, là.
Comment ça? Ah d'accord, même eux, ils galèrent les résultats. Ah, je peux faire ça? Je peux régler apparemment la... Alors, pour le moment... Pour le moment, il consomme trop. Par contre, je me pose quand même la question. Eh ouais, c'est... Alors, bon, bah c'est deux fois plus... alors si, je peux faire ça. Arrête de vendre du charbon, je vends du propergol, je lance le propergol. Et je fais une centrale à charbon. Centrale électrique à charbon. Que je peux faire ici. Alors, on va attendre que ça s'équilibre un petit peu. C'est pas encore dingue tout ça. Ouais, faut... Voilà, hop. Quoi? Ok, alors lui, vendre le bâtiment, voilà, super, comme ça va partir directement. Et ici, on va améliorer d'un. Le charbon, c'est assez rare, mine de rien. Est-ce que je peux faire une autre mine de charbon? J'ai des soucis un peu partout. Hein. J'ai des soucis un petit peu partout. Est-ce que j'ai. Est-ce que. Oui, j'ai. Il manque du bois. Donc on va couper les planches pour le moment. Parce qu'il me faut du bois pour remplir ce truc-là. Ça va assez vite. J'ai 3 minutes pour le faire, ça va aller très très vite. Je gagne 4 millions d'un coup. Et j'ai une autre commande dans 5 secondes. Hop, nouvelle commande. Qu'est-ce qu'il me faut? Encore du bois et du charbon. Du charbon. Alors que je suis en train d'en consommer comme un porc. Je vais être obligé de réactiver ça alors que je suis en train de consommer du oh il a plus de pouvoir. Waouh, l'enfer. C'est un enfer. Allez, les mines de niveau 3, je les passe niveau 4. Je vais commencer à passer déjà des niveaux 5. Et j'ai tout consommé là-dedans. Ouh, l'homme, c'est quoi? C'est le propergol, c'est ça? Non, c'est les planches.
C'est les planches que je suis en train d'exporter, donc évidemment ça diminue. Il me faut quoi lui? Il me dit... Ah bah c'est bon. Hop. Donc les planches, je peux les relancer. Parce que pour le moment j'en ai plus besoin. Enfin j'en ai plus besoin en commande. Ok, c'est quoi ça? C'est le propre gold, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, bah, j'ai coupé la production, donc évidemment. Voilà. Le charbon. Ouais, surtout améliorer le charbon. Hop. Voilà, ok. Ok. J'ai besoin d'une vue plus. Alors. Mon pétrole raffiné, le pétrole brut, c'est vraiment mes problèmes. C'est vraiment ça le problème. Donc ce qu'on va faire, déjà, c'est lui. On va lui dire. Ah, attends, j'ai ça. Je sais pas ce que c'est. Ça sera minimal, infini. Cycle de production. Durée de production mesurée en secondes. L'allongement du cycle. D'accord, ok. Et est-ce que. Je peux encore l'améliorer, mais ça sert à rien. C'est pas ce qu'il me faut. À partir sur une autre stratégie. Ici. Alors, attendez, je vais juste vérifier, mais. Bon, ok, d'accord. Ici, je vais créer un entrepôt. Et je vais faire toute une batterie de oil qui vont envoyer dans cet entrepôt. Sachant que je peux créer que 5 routes. Donc bon bah ces 5 entrepôts là, je vais les envoyer voilà, je vais les faire hop. Puits de pétrole. Puits de pétrole. Puits de pétrole. Puits de pétrole et puits de pétrole. Puits de pétrole. Ok. Ok, ensuite là j'ajoute une route vers lui. J'ajoute une route vers lui. J'ajoute une route. Allez, construis-le vers lui, voilà. J'ajoute une route. Ils ont construit un par un par contre. Oula! Ah ouais, je manque d'électricité. C'est bon, j'ai mes 5 routes. Ouais. Apparemment, je peux rajouter d'autres routes. L'idée, elle est simple, c'est voilà, on priorise ça et après on envoie à la raffinerie. Ou voilà. Mais j'ai pas le choix, je vais devoir activer mon. Activer ma centrale à charbon. Voilà. Et cette centrale à charbon là, je sais pas pourquoi, elle n'envoie rien. Elle est trop loin? Est-ce que lui. Non, distance d'entrée maximale infinie. Peut-être que lui a plus de. Ouais, parce que lui a plus. D'accord. Apparemment, lui a plus de stock. Donc en fait, il priorise là où il y a le plus de stock.
D'accord. Puis aussi, là où c'est moins loin, tu me diras aussi, parce que... Voilà. Alors, mon pétrole est toujours le problème. Bien sûr, je peux par contre maintenant augmenter... Améliorer ça. Juste avant... Il faut du pétrole brut. Donc, ben voilà, hein. Hop, hop, hop. On fait ce qu'on peut, hein, mais Et on peut rien mettre en pause, hein, par contre, aussi. Y a ça aussi, c'est un problème assez minime quand même, mais voilà, on peut pas... On peut pas mettre en pause. Il demande quoi lui? C'est du raffiné ou du brut? Est-ce que je tente le diable? Attention, l'hécatombe. J'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Minutes, 3 minutes. Celui-là, à mon avis, c'est mort. On va essayer, mais à mon avis, c'est mort. T'as 11 millions, hein. Non, faut pas que ce soit mort. Il me faut les 11 millions d'argent que ça rapporte. Ah putain, je prends les 1,3 millions là, mais... Ah, 2 minutes pour réatteindre les 50, les 60K, ça va être compliqué. Si j'augmente tout de suite, peut-être. Non, c'est mort, hein. 1 minute 40. Ah, quoique, 1 minute 40. 1 minute 40. Pour faire encore 20K. Sachant que je suis en train de perdre mon gasoil de ouf, là. Ah, ça va, en pétrole, remarque, j'ai 100K. Donc, je peux tenir encore un petit peu comme ça. La question, c'est est-ce que je peux tenir suffisamment. Ah. Ça va le faire. On va y arriver. Allez, on réactive la raffinerie tout de suite. Oh, il y a des moments stressants dans le jeu. Il y a des moments où on se dit, mais c'est la catastrophe, quoi. Et puis finalement, ça va. C'est rude, mais ça passe. Le problème, c'est que là, mon propergol, là, j'ai rien en propergol, hein. Et non. Donc, on va se remettre à revendre du charbon.
Faut que je résolve mon problème de mon problème de oil. Ça, c'est le principal problème. C'est que j'ai beau améliorer, améliorer, améliorer. Je sais pas ce que ça fait si je l'améliore. Si je l'améliore. Oh! Non, non, attendez. Je suis pas si loin que ça, hein. Pour le oil, là. Je suis pas si loin que ça, hein. Pas grand chose. C'est bon, je suis en vert partout. Par contre, les 9 par seconde, hein, pétrole brut. Hein. Je suis bon, mais je suis vraiment limite, quoi. Ça, c'est un enfer. Le pétrole, c'est un enfer. Ah, c'est mon nom? Il est où le drapeau de la France? Je vois pas. Là. Ping. Oh! J'avais pas vu ça. J'ai des permis de construire? Ah, d'accord, mais je les achète au fur et à mesure. D'accord, ok. C'est pour ça qu'à chaque fois. C'est pour ça que je voyais ce nombre augmenter au fur et à mesure. Mais ok, d'accord. D'accord.